Salut les amis, voilà comme je vous avais promis, d'autres vidéos. Là bas il y a toujours la mienne, 3 sur 7 2022. Là il y a le collègue, il vient d'acheter la Versys là il y a 20 minutes à Energy Moto Kawasaki Salon de Provence. Bon, après on a croisé un ami là, il a mis ceux que je dois mettre bientôt, il fait additionnel, très très bien. Voilà, on va plus vous parler de la Kawasaki. Très bonne moto, franchement. C'est le 2022. On voit la différence parce qu'il y a le 2021. Ouais. Ils sont un peu à l'ancienne sur ça, mais bon, là ils ont fait des efforts. Il y a le compte tour encore sur la 2021, mais avec l'aiguille. Voilà, voilà. Toujours le même moteur, 650. Le profil, ah, c'est une bonne moto, très très bonne moto. Bah, toujours ma traceur, j'ai pas mis d'option encore, j'ai toujours mes crash bars, j'ai pas mis les feux additionnels encore. Là, le collègue il a mis les feux additionnels. Il a mis les feux additionnels Yamaha. Franchement, ça donne très 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 bien. Il a mis quoi lui dessus? Ah, il a mis le top case. Top case Yamaha, avec le support Yamaha. Moi, j'étais vraiment... J'étais contre ça. Parce que je trouve que le top case il est pas très 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 beau. J'avais acheté, avant d'acheter ma moto, j'avais acheté un JV Outback Tracker. Et du coup je l'ai revendu parce que le support il est beaucoup mieux. Voilà voilà. Bah, bientôt je vous referai des nouvelles vidéos. À bientôt.